Cornelius. Cornelius. A servant. Un serviteur. Who devote all his heart. Qui avait dévoué tout son cœur. His household. Toute sa maison. His spirit. Son esprit. To love Jesus. Pour aimer Jésus. And he did not only end there in loving Jesus. Là-bas pour aimer he Jésus. Went further. Il allait au-delà. To fulfill the scripture. Pour accomplir les écritures. Concerning the poor. Concerning the widow. Concerning the orphan. Concerning the orphelin. Concerning the widow and the needy. He went further to wipe their tears. Il allait au-devant pour essuyer leurs larmes. A soldier. Oh my God in heaven. Oh, you Dieu cannot ciel. Understand tu peux pas comprendre what I am trying to let you know. Ce que je veux te faire comprendre. This man have touched cet my homme, heart. Il a touché mon cœur. But what is happening in our nation today? Qu'est-ce qui se passe dans notre nation aujourd'hui? We have thrown our God. On a jeté notre we Dieu. Have marched our God. On a marché sur we notre are Dieu. Sitting upon our God. On s'est assis sur and notre we are Dieu. Invited foreign God. Et on a invité the God that suck blood. Le Dieu qui suscite le sang. The God that destroys souls. Les hommes, les the God that condemns lies. Le Dieu qui condamne les hommes. God. Mais mon Dieu. Is not hidden. N'est pas caché. My God. Mon Dieu. Has risen. S'est levé. About to fight. Il est sur le point de combattre. He's about to bring victory. Il est sur le point de He's about to bring revival. Il est sur le point d'apporter He's le about to bring change. Il est sur le point in the nation Cameroon. Dans cette nation, le Cameroun. In the nation Cameroon. Dans la nation du Cameroun. My God is not a sleeping God. Mon Dieu n'est pas un Dieu qui My sommeille. God is not a tired God. Mon Dieu n'est pas un Dieu qui est My fatigué. My God is not a weak God. Mon Dieu n'est pas un Dieu qui the est faible. The God of Elijah. Le Dieu d'Élie. The one that answered by fire. Le Dieu qui par le feu. He is still my God. Il est toujours mon Dieu. He is still your God. Il est toujours ton Dieu. He shall see your throne. Il va te délivrer. He shall lead your throne. Il va te délivrer. He shall deliver your throne. Il va te délivrer. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Loving God. Aimer Dieu. It's doing his will. C'est faire sa volonté. Acting God. Agir Dieu. Is drawing closer to God. C'est se rapprocher de Dieu. When you act God. Quand tu agis Dieu. You draw closer to God. Tu te rapproches de and Dieu. God draw closer to et you. Dieu se rapproche de toi. Knowing him. Le connaître. Is knowing his words. C'est connaître sa parole. Is knowing the word in the Bible. C'est connaître la parole dans but la Bible. Acting the word of mais God. Agir la parole de Dieu. Is telling God I want to come closer to you. Dit à Dieu que je veux venir you are à my all and all. Tu es mon you tout. Are my Lord. Tu es mon Seigneur. You are my husband. Tu es mon mari. You are my children. Tu es mon you are my family. Tu es mon when famille. They reject me. You cannot reject me. When they insult me. You will comfort me. When they seize my job, you will bless me with a new job. That is Jesus Christ. But because you don't know who Jesus is, you are suffering. Tu souffres. Why are you suffering? Pourquoi est-ce que tu souffres? C'est neighbor. Dis voisin. Why are you suffering? Pourquoi est-ce que tu souffres? When Jesus is there for you. Quand Jésus est là pour toi. Why are you confused? Pourquoi est-ce que tu es confus? When Jesus is there for you. Quand Jésus est là pour toi. When you trust Jesus. Quand tu fais confiance à Jésus. You will see Jesus. Tu vas voir Jésus. Trust in Jesus with all your heart. Fais confiance à Jésus de tout ton cœur. When we walk with the Lord in the light of his word, all the glory he shares on your way. Where we do his good will, he abide with us too, and we'll all if we'll trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Hallelujah. Amen. When you trust quand tu fais confiance and obey Jesus, à Jésus et tu lui obéis, Jesus will be happy with you. Jésus sera content de toi. When you disobey Jesus, quand tu désobéis Jésus, you cause Jesus to leave from you. Tu pousses Jésus à te quitter. Have your wonderful say, God bless you. Asseyez-vous que Dieu vous bénisse. To do his good will, pour faire sa bonne volonté, is to trust in him. C'est de lui faire confiance. When you trust in somebody, quand tu fais confiance à quelqu'un, you are simply making your life. Tu fais seulement de ta vie. To know that without this man, you are not. Tu montres à cette personne que sans cette personne, tu n'es do rien. Do not trust your pastor. Ne fais pas confiance au pasteur. Do not trust your husband. Ne fais pas confiance à ton mari. Do not trust your wife. Ne fais pas confiance à ta femme. Do not trust your boss. Ne fais pas confiance à ton employeur. Put your trust in Jesus. Mets ta confiance en but Jésus. All these people can disappoint parce que toutes you. Ces personnes peuvent te décevoir. They can fail you. Elles peuvent te tromper. But Jesus can never fail. Mais Jésus ne peut jamais te tromper. Cornelius was simply acting Jesus. Cornelius était simplement en train d'agir because Jésus. He carried Jesus in parce qu'il portait Jésus en lui.
He felt the pains of the poor people. Il a ressenti la douleur des personnes the pauvres. Widow, the orphans, les veuves et les orphelins. And he decided to move in their lives. Il a décidé d'aller dans leur vie. To give them smiles. Pour leur donner le sourire. To make them know that Jesus is still their husband. Pour leur faire connaître que Jésus est toujours leur mari. To make them know that Jesus is still their father. Pour leur faire connaître que Jésus est toujours leur père. Little did he know. Peu il s'en doutait-il. That God was good of what que Jésus connaissait ce qu'il faisait. Day, et un jour, the Bible said an angel la Bible appeared dit to him qu'un ange lui a apparu when he was doing his meditation quand il faisait sa méditation at the hour 3 o'clock. À vers la 9e heure. And the angel of the Lord appeared to him. Et l'ange du Seigneur lui est apparu. He said, what is it, Lord? Il a dit, qu'est-ce qui est Seigneur? The man that carried the spirit of God. Celui qui porte l'Esprit when de Dieu. He hears God, he quand will il écoute know his Dieu, voice. Il connaîtra sa voix. The man that carried the spirit of celui God. Qui porte l'Esprit de when Dieu. You see God, you lorsqu'il will voit God. Dieu, il va connaître nobody Dieu. Will tell you that is God. Personne va te dire que c'est nobody Dieu. Will tell that God is speaking. Personne va te dire que Dieu est you will know the voice. Tu vas connaître la voix. See you. Et tu vas par rapport à la voix qui est en toi. People that doubt the voice of God. Ceux qui doutent de la voix de are Dieu. People that carry a foreign god in them. C'est ceux qui portent un that Dieu étranger foreign god en in eux. Them. Ce Dieu étranger always en eux. Tell them that that one is not God. Toujours leur faire comprendre que ce Dieu-là n'est pas Hallelujah. Dieu. Amen. If you carry the Holy Spirit. Si tu portes le Saint-Esprit. The Holy Spirit is the member of the Trinity. Le Saint-Esprit c'est le membre de la Trinité. The one that receives from the Son. Le Saint-Esprit c'est celui qui as reçoit du Fils. Receives from the Father. Comme le Fils reçoit du then Père. The Son gives to the Holy Spirit. Le Fils donne au Saint-Esprit. And the Holy Spirit gives it to us. Et le Saint-Esprit nous donne according cela. To John chapter 16. Selon Jean chapitre 16. À partir du verset 13. Right down to 15. Au verset 15. That say he the Spirit of truth. Et cela dit the spirit of revelation. L'esprit de révélation. He takes everything that belongs to il the prend son ce qui appartient au Fils and give it to us. Et il nous donne for cela. The son have taken us as his brothers. Parce que le Fils nous a pris comme ses frères et ses sœurs. Are we not the inheritance of Jesus? Est-ce que nous ne sommes pas les héritiers de Jésus sur la terre? So for you to be free, donc pour que tu sois libre, you need to give everything. Tu dois donner toute chose. That you have to Jesus. Tout ce que tu possèdes many à Jésus. People today, beaucoup de personnes aujourd'hui, they sow in the barren land. Ils sèment dans une terre stérile. Là où ça ne peut pas être, ça ne peut pas produire. Pourquoi? Parce qu'ils ne portent pas le Saint-Esprit. Si tu portes le Saint-Esprit, là où tu poses ton pied, le Saint-Esprit va te rendre ministère. And whatever you do in that place, et tout ce que tu fais à ce lieu-là, tu vas le faire avec and la foi. You know that the Lord will et tu vas savoir que le Seigneur va te visiter. Whatever little thing, quelle que soit la petite chose que tu as déjà faite dans la vie de plusieurs personnes, le Seigneur voit que tu l'as fait dans la vie de tout le monde. If you were to have all, et si tu devais avoir tout, for all. Tu devais faire pour tout. The soul you are blessed, l'âme que tu as the béni, soul you are put smile on, l'âme que tu as mis le sourire, no matter what, peu importe, the prayer of that soul, la prière de cette âme, always reach God. Ça va toujours atteindre and Dieu. When God hear the prayer, et quand Dieu va écouter God la prière, you. Dieu va se souvenir de toi. Anyone in Christ Jesus, toute personne en Christ Jésus, that love the love of God, qui aime l'amour de the Dieu, the love of God is with the love of action. L'amour de Dieu c'est l'amour that de l'action. That one God will visit you. Avec ça, Dieu God va te visiter. God has many ways in visiting His people. Dieu a beaucoup de voies pour visiter son Hallelujah. Peuple. Hallelujah. Amen. When you are sick, quand tu es malade, God visit you. Dieu va te visiter. When He visits you, He becomes visite, your portion. La guérison devient ton partage. For those that are His children, pour ceux qui sont ses enfants, for those that He has prepared the bread for them, pour ceux qu'il a préparé, for the bread of Jesus Christ, pour le pain de vie de Jésus Christ, and the bread for His children, et le pain de Jésus, they le pain are de not ses bread enfants. For the dogs. C'est pas le pain pour des chiens. Only those that can eat the crumbs, c'est seulement ceux qui peuvent manger les miettes, under the table of His children, sous la table de ses enfants, can be attempted, peuvent être to join the crew of Jesus Christ. Peuvent être permis de rejoindre le groupe de Jésus. Because of their faith. À cause de leur foi. It is faith. C'est la foi. That makes a way for a man. Qui ferait un chemin pour un homme. It is not only belief. Ce n'est pas seulement la croyance. What is your challenge? Quel est ton challenge? What is your situation? Quelle est ta situation? What is your temptation? Quelle est ta tentation? It is not there to destroy you. Ce n'est pas là pour te détruire. But it's rather to draw you closer to God. C'est pour te rapprocher de Dieu. When your situation brings you closer to quand God, ta situation te rapproche de Dieu, you will not know the mind of God concerning your tu life. Tu vas maintenant connaître la pensée de Dieu concernant where ta vie. No situation, là où il n'y a pas de situation, many people become far from God. Les personnes deviennent loin at de time Dieu. God uses Satan souvent Dieu utilise Satan to do his evangelism. Pour faire son évangélisation. At time God allows Satan souvent Dieu permet à Satan to touch us pour nous toucher when our spiritual lives are dying down. Quand notre vie spirituelle when est en train Satan de shaking you, quand Satan te secoue you look left and right, tu regardes de gauche à droite no solution, pas de solution you look up to heaven, tu vas regarder au ciel and Jesus will visit you. Et Jésus va te visiter. There is no one il n'y a personne
on the face of this earth, sur la face de la terre, that just decided to love God, qui a seulement décidé d'aimer you Dieu have loved uniquement. God because of your situation. Tu as aimé Dieu à cause de ta situation. I love God and God called me and I was et j'ai aimé Dieu. Of my situation. Et Dieu m'a appelé, j'étais au milieu de ma situation. To him. Et je me suis and rapproché when de went lui. Deeper to him, et quand je suis allé profondément avec lui, to me. Il est aussi venu profondément and à moi. That is why you see me, comme ça qu'il m'utilise. Also lets you come closer to vous him. Te fait aussi venir proche de if lui. You believe Jesus, si tu crois en Jésus, just as I believed him, comme je l'ai cru en lui, be like me. Et si tu and seras you comme not moi, do what I do, et tu ne vas pas seulement faire ce que je fais, what I do to double. Tu vas faire ce que je fais doublement. This is the word of the Lord. Ça c'est la parole du Seigneur. People of God. Peuple de Dieu. It is high time to be. C'est le temps a pour nous. Representative of Jesus wherever you are. D'être les représentants de Jésus partout in où nous your nous trouvons. Country, dans ton pays. Be the representative of Jesus where you are. Sois un représentant de Jésus in là où tu te country, trouves. Dans ton pays. Be the light of Jesus where you are. Sois la lumière de Dieu là in où tu country, es. Dans ton pays. Be a channel of forgiveness in your country. Sois un canal de pardon dans ton when pays. You become such, quand tu deviens ainsi. They are the qualities of Christ Jesus. Parce que ce sont les qualités de Jésus. According to the book of Matthew chapter 5. Selon le livre de Matthieu chapitre 5. Verset 7 au verset 9. Forgive others shall obtain mercy from God. La miséricorde de Dieu. Hallelujah. Amen. Let not your situation, que ta situation cause you not to forgive your neighbor. Ne fasse pas ne pas pardonner to forgive ton your husband. Ne pas pardonner for ton mari. If you refuse forgiving them, parce que tu refuses de les pardonner, you will never be forgiven by our heavenly tu ne seras pas pardonné par notre Père céleste. When you forgive everyone, quand tu pardonnes à tout le monde, have wronged you, qui t'ont piqué, t'a offensé, no matter what the person did, peu importe ce que la chose la personne a fait, tu pardonnes à la personne, remove the person from your, tu retires la personne de ton cœur, your heart become pure, ton cœur devient pur, then you'll be able to see God. Et tu vas être capable de voir but Dieu. The Bible says, parce que la Bible the dit pure in heart que les heureux ceux qui sont purs de cœur, car ils verront but Dieu. I want to tell you, et je vais te dire, it's not only to see God, ce n'est pas seulement de voir Dieu, c'est d'écouter aussi it's Dieu. Not only to hear God, ce n'est pas d'écouter it's Dieu, only to proclaim God, c'est aussi de proclamer when Dieu your heart is pure. Quand ton cœur est pur. Jesus came on earth to make peace between us and God. Jésus est venu sur la terre pour mettre la and paix entre nous et Dieu. Quand il est parti, he said, the Holy Spirit, il a dit le Saint-Esprit, our comforter, notre consolateur, will come va venir and help us et va nous aider to remember pour nous rappeler all that which he has taught us. Tout ce qu'il nous a enseigné. Now, maintenant, if you are not a peacemaker, si tu n'es pas un faiseur de paix, be called a child of tu ne peux pas être appelé enfant de Dieu. We men of God, nous hommes de Dieu, we love to preach the gospel, nous aimons prêcher l'évangile, but we cannot act what we are preaching. Mais nous ne voulons pas agir that is ce the que nous prêchons. Problem today ça, in c'est the le problème body aujourd'hui of Christ. Dans le corps de Christ. We have a sweet tongue, nous avons une bonne langue, a persuasive tongue, une langue de persuasion to preach the gospel, pour prêcher l'évangile. We ask them to do what we cannot do. Nous leur demandons de faire ce qu'ils ne peuvent pas faire. Fais-le et ils voient comment ils le font. You. Et tu le fais et ils vont te suivre. What we are doing, we are seeing what Jesus did. Ce que nous faisons, nous avons vu cela, l'homme Jésus le fait. Jesus. Nous suivons l'exemple then de Jésus. You are not a disciple of Jesus. Et là, tu es un disciple de Jésus. Jesus said, Jésus a dit, on the last day, au dernier jour, they will say, ils diront, I cast demon in your name. J'ai chassé les démons you are only casting demon. Il va dire, tu chassais seulement les démons. Is that the commandment I gave you? Est-ce que c'est le commandement qui t'est donné? Was not to cast demon, le commandement n'était pas de chasser les démons. C'était pas pour guérir les gens. Was to love the people. C'était d'aimer les gens. Was to bless the people. C'était de bénir les but gens. You were only casting the demons. Mais tu étais seulement en train de chasser les démons. They that cast only demons. Ceux qui chassent seulement les démons. Can never be known by me. Ne peut pas être connu but par moi. They that cast demons. Ceux qui chassent les démons. Are they with the charitable works? Are they with the love for neighbors? Ajouter avec la love de charité, avec l'amour de Dieu. C'est eux que tu reconnais. Who are you? Qui es-tu? A man of God? Homme de Dieu? A prophet? Un prophète? An apostle? Un apôtre? Evangelist? Un évangéliste? Pastor? Un pasteur? Teacher of the word? Un enseignant de la parole? Let us show the world the example. Montrons au monde l'exemple. Satan has grand power. Satan a rempli la puissance. Power il a pris la puissance. To fight the body of Christ. Pour combattre le because corps de Christ. Satan knows. Parce que Satan connaît. The character of our God. Le caractère de notre Dieu. Satan knows the ways of our God. Satan connaît le since de notre we Dieu. Fail in walking the ways of our God. Comme nous manquons à marcher sur les voies de notre Dieu. To Satan. Nous devenons les disciples and de Satan. And there's no way you can overcome him. Il n'y a aucun moyen pour lequel tu peux vaincre Satan. Your father. Parce que tu as désobéi à ton let père. Let us obey our God. Ou bien obéissons à notre Dieu. His will, en faisant sa volonté. Authority and power et l'autorité et la puissance. To us nous serons nous sera donné. Overcome Satan. Pour vaincre Satan. Satan knows the scripture. Satan connaît les écritures. Satan can never act the scripture. Mais il n'a jamais agi les those écritures. That knows the scripture. Ceux qui connaissent les you écritures. Can quote from Genesis to Revelation. Tu peux lire de Genèse à you Apocalypse. Don't act the scripture. Et tu n'agis pas you les are not écritures. Different from the enemy. Tu n'es pas différent de l'ennemi. What can make you to be different from the enemy? Ce qui peut te faire être différent de l'ennemi. When you act what you are preaching. C'est lorsque tu agis ce que tu prêches. There were men of God, prophets in Israel. Il y avait des hommes de Dieu, les prophètes en Israël. But Elijah.
Mais Élie was the only one that said I want to defend the name of his God. Était le seul qui disait qu'il veut défendre le nom de mon I will Dieu. Preach and act what I am preaching. Je vais prêcher et agir ce que je prêche. For the revival must come through my life. Parce que le réveil doit venir à travers it must come through my generation. Parce que ça doit venir à travers ma génération. And that was what came to the generation of Elijah. Et ce qui est arrivé à la génération d'Élie. Let us trust God and faisons do confiance his à Dieu et faisons sa volonté. So that the heavenly authority will be bestowed upon us. Pour que l'autorité céleste and whatever sera déposée we sur do, nous. We et quelque chose que nous ferons, faisons-le pour Dieu. Amen. You are healing. Ta guérison is given to you. T'est donné. According to your faith, selon ta foi and your belief, et ta croyance, there is nothing il n'y a rien too hard for our Lord to do. Qui est difficile à notre Seigneur pour faire. Are you looking for the fruit of the womb? Est-ce que tu recherches le fruit des entrailles? Our Lord will do it for you. Notre Seigneur va le faire pour toi. Our Lord will do it for you. Notre Seigneur va le faire pour toi. In Jesus Christ's name. Au nom de Jésus-Christ. Viewers, téléspectateurs, you have heard this message. Tu as écouté ce message. It has come out for you. C'est sorti pour toi. To examine your life. Pour examiner ta vie. And see where you have fallen. Et pour voir où tu es tombé. And rise up. Et pour te relever. For the Scripture says, parce que la parole déclare, a righteous man falleth seven times. Le juste tombe sept fois. And riseth up seven times. Et se relève sept fois. Don't fall and remain on ne the ground. Ne tombe pas et tu For Jesus is there to hold your parce hand que Jésus est là pour arrêter ta main et pour te faire relever. Pierre had faith in Jesus a eu la foi en Jésus when he started walking upon the waters il a commencé à marcher sur les eaux because of the things of the world à cause des choses du and monde, the pride of his life à cause de la longueur de la vie he was like Jesus. Il pensait qu'il était he comme started Jésus sinking. Il a commencé when à couler when you call the name of Jesus quand il appelle le nom Jesus de Jésus his hand, Jésus a arrêté sa you main can still do the same. Tu peux aussi faire de même when you put your trust in Jesus, quand tu mets ta confiance en Jésus will say you true. Jésus va te délivrer. Good morning, viewers. Bonjour téléspectateurs, que Dieu vous bénisse. This week cette semaine, you are going to receive a testimony. Tu vas recevoir un témoignage. In Jesus Christ's name. Au nom de Jésus-Christ. Rise up on your feet. Levez-vous, Jesus, you love me too much. The Holy Mountain Ministries is a ministry that is still growing. So please, your support for the realization of the vision and the destiny of the ministry is highly appreciated. For inquiries concerning your support for the ministry and Restoration TV, please contact this ministry's official support lines, +237 672 119410, +237 695 495327. God bless you for your support for the growth of God's kingdom. The Holy Mountain Ministries est un ministère qui grandit encore. Alors s'il vous plaît, votre soutien pour la réalisation de la vision et la destinée du ministère est vivement apprécié. Pour toute personne voulant soutenir le ministère et la chaîne Restauration TV, s'il vous plaît, contactez le ministère au numéro de soutien officiel suivant. +237 672 11 94 10, +237 695 49 53 27. Que Dieu vous bénisse pour votre soutien pour l'avancement du royaume de Dieu. Restoration TV, bringing to you the gospel of our Lord Jesus Christ. Stay tuned to the word of life. Restoration TV, pour vous apporter l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Restez connectés à la parole de vie.